après rentre. Bienvenue dans mon humble demeure. Donc, comment ça va? Écoute, ça va très bien, toi. Plutôt jeudi soir ou vendredi matin alors? Jeudi soir, vu que j'ai pas cours vendredi matin. C'était bien la soirée de la féodaliste? C'était une très très bonne soirée. Les gens étaient contents, donc c'est le principal, je pense. Et donc voilà, donc petit appartement, avec la présidente. Salut. Alors dis-moi, la féodaliste, c'est quoi ce thème? Alors le thème est venu, en fait, on était assis au... Enfin, c'est le nom du truc. Au bar, là, au quart d'heure, le Bacchus, ouais, voilà. On était sur un tonneau. Et en fait, on s'est tous dit, ouais, venez, on fait un truc un peu médiéval, genre la table ronde et tous les chevaliers à la table ronde. Et puis au final, on est parti sur un truc, ouais, féodal et féodaliste, voilà, c'est venu comme ça. Et alors du coup, plutôt gagner la campagne BDE ou avoir la destination de 3A de tes rêves? Ah, quelle question. Franchement, je pense que la campagne BDE, c'est avant tout fait pour créer des relations encore plus épanouies avec ses potes. Pas forcément pour gagner, c'est aussi pour s'amuser. Donc là, je dirais la destination de mes rêves en 3A du coup. Et du coup, t'arrives quand même à aller en amphi? Ouais, pendant la campagne c'était un peu dur, je t'avoue, du coup... Plutôt René Cassin ou Bruno Etienne? Bruno Etienne, pour les fesses. C'est vraiment combiné, Bruno Etienne, argent. Et toi, c'est qui ton fantasme parmi les profs? Dinesh. Dinesh. Biglione ici, Dinesh ici. Dinesh, je crois que c'est le fantasme de tous les mecs de la promo, non? Je sais pas qui c'est. Ah. Je vais pas en amphi, donc bon, on me pose pas la question. Bon, du coup, j'allais te poser la question plutôt thé ou café, mais je crois qu'on a la réponse. Ah, sûrement. Café. Sûrement. Tac. Et voici la terrasse avec deux autres membres de la liste. Salut tout le monde. Alors, plutôt Jules ou la mort? Jules. Nouveau Marseillais. Salut Maxime. Ça va? Alors, Romain Follet ou Sephora Oaro? Romain Follet. Non, attends, je sais pas. En quoi, en fait? Ah, je te pose la question. Mana Thomas. Oh, pas mal. Et du coup, la sérénade ou la charbonnade? La sérénade. Faire ni l'un ni l'autre. Alors... Une remarque ici? Non, je dis rien, je me tais. Alors dis-moi, orientaliste ou LDJ? À mon cœur saine. Parce que, voilà, à la base, je connais beaucoup plus les gens de la LDJ, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de l'orientaliste et tout. Et c'est vrai que maintenant, j'ai des potes dans les deux listes, donc ouais, c'est compliqué à choisir. Joker. Joker. Durval, c'est qui la plus belle fille de l'historialiste? Thibaut Thaïlandais. Roman, ouais. C'est qui le plus beau mec du BDV? Du BDV? Ah putain, c'est trop dur. Antoine Périllaz. Putain, le monde. J'aurais dû faire une petite blague et dire Joséphine Pilon, mais c'est sorti tout seul. J'aime bien tout ce qui est épicé, en fait. Il y a des réponses honnêtes, il y a des réponses. Maxime? Ouais. La douche froide ou la douche chaude? La douche chaude. Il a pas compris. Allez Maxime, casse-toi la gueule. Marche pas sur les parties de Jules. Fais gaffe, l'écharpe de Jules. L'écharpe de Jules. Jules, t'es dans notre cœur. Plutôt Jules Bonnet ou Thomas Carpio? Jules Bonnet pour les JT, Thomas Carpio pour la pétanque. Ah. Ça va, tu t'es pas fait trop mal? Non, ça va. Salut Alix. Salut. Plutôt les Fenech ou la féodaliste? La féodaliste. Fêtarde ou fêquitarde? Fêtarde. Ça s'entend à ta voix. Salut Roxane. Salut. Diane Rémy ou Julio Reggia? Putain. Je peux pas répondre à ça. C'est quoi la question? Je dirais Julie pour les entraînements, Diane pour les soirées. Manger de la cervelle encore une fois ou perdre la campagne? Manger de la cervelle. C'est pas si dégueulasse que ça. Trouver l'amour à Sciences Po ou des amis pour la vie? Des amis pour la vie. C'est qui le plus beau mec de l'historialiste? Seb. Ouh. C'est qui la plus belle fille du bureau des villageois? Je sais pas, Anaïs Cargent peut-être. Peut-être. Ouais. Choix difficile. Pas au chocolat ou chocolatine? Évidemment, chocolatine. Aïe aïe aïe. Obviously. Bureau des villageois ou historialiste? Les barbeaux. Les apaches. Bureau de l'histoire. Marrant. En plus, Victor, il me dit Romain, t'es lui qui est pas beau pour en avoir en question. Amphi duo ou amphi du bas? Amphi duo. Moi, j'y vais pas alors.
C'était quoi le meilleur scénario? C'était la vidéo de présentation de la féodaliste ou le Seigneur des Anneaux? Ah bah du coup le... Après, je réponds à ces 80 les, visiteurs. Les visiteurs. Les visiteurs. Quel humour, mais quel humour. Les gars, à quel animal correspond la présidente de votre liste? Castor. Un castor, ouais. Non, un bébé lion. Castor. Un bébé tigre. Non, justement, je l'écarte. Donc pourquoi c'est la féodaliste, pourquoi c'est la féodaliste qui doit gagner? Ambiance. Gabrielle Blondel. Tout chaud. Passionné. Pour Dana. Non, moi j'ai rien à dire, cassez-vous de chez moi. Attends.